Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on retourne dans Star Wars avec Naughty Swing, avec les numéros 78, 79 et 80. Vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et on est parti. Nos numéros, le 78, le A-Wing à l'écran, les derniers Jedi. En première fois, ils construisaient une version physique du A-Wing. Le générateur d'énergie. Donc les pièces de notre numéro, notre pas à pas. Résultat fini. Le 79, les A-Win miniatures, jouets et maquettes. Donc là, une maquette Revell. En Lego. Le système de refroidissement de l'hyperdrive. Notre pas à pas. Notre résultat fini. Le 80, B-Wing, développement du design. Créateur de l'hyperdrive. Notre pas à pas. Et notre résultat fini. On y va. On prend nos convertisseurs qu'on place dans ce sens-là. Ensuite. On vient emboîter à chaque fois. On va obtenir ça. On vient sur le bout ici de notre pièce. On l'emboîte en mettant les petits trous vers nous. On prend notre générateur d'énergie. Que l'on vient placer ici, donc on voit qu'il y a un petit trou, un gros trou, un petit téton, un gros téton. Voilà, donc on voit qu'il y a des numéros de marqués au fond. Et là c'est pareil, on a des numéros sur nos grappes. Donc on vient récupérer le 1. Le 1 vient se brancher juste ici. Il se branche après dans le deuxième trou ici. Un emplacement numéro 2. Et pareil dans le deuxième trou. Donc ensuite, on va tous les brancher. Donc de ce côté-là, on aura notre 4, notre 2, notre 6, notre 10 et notre 12. Et de l'autre côté, le 3 en haut, le 1, le 5, le 9 et le 11. Alors le 7, lui, vient se brancher ici et bien comme ça ici. Le 8, pareil. Le bas, le
Le 11, lui, donc, se branche par ici. Et ensuite, on va ici. On fait pareil avec le 12 de ce côté-là. Et voilà pour ce numéro 78. Note 79, on commence par prendre cette pièce là que l'on vient emboîter ici. On prend ensuite les deux moitiés de la chambre de transfert que l'on assemble ensemble. On va venir les mettre en bas ici, donc on va décaler un peu nos tuyaux qu'on avait mis. Voilà. Ensuite, on prend les deux pièces marquées 1. On prend celle-ci marquée 1 également. On vient le mettre dans la fente au fond ici. Et on vient refermer ça avec la deuxième partie. Voilà. Donc il vient se mettre à gauche ici. Juste comme ça. On fait pareil avec le A2. Comme ça ici. On prend nos tuyaux de connexion. Alors, ils vont venir se brancher dans les trous en dessous ici. Alors, désolé, j'ai eu un petit problème technique. Donc, on met ces deux pièces là, ici. On prend ensuite celle-là, qu'on vient emboîter dans le trou au fond, ici et ici. Juste comme ça. Pour ça, on vient récupérer nos dernières pièces. Donc, on emboîte ça en forme de D. On vient emboîter ça comme ça ici. Pareil de ce côté-là. Et voilà. Voilà pour notre 79. Alors, on vient déjà découper tout ça pour notre 80. On vient prendre à chaque fois un avec des picots et un avec les trous. On les emboîte ensemble. On récupère les parties que l'on avait fait avant. On vient les clipser comme ça dessus. Et on y met cette pièce là après devant pour finir. Pareil pour le deuxième. Donc on branche ça pour plus tard. Et on garde toutes ces pièces-là pour plus tard. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On vient me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!